RDC ezali chaîne YouTube Otoyebi Sarabino et kota rapona ko pesa information ya sur information oyo ezali kolekana awa na République démocratique du Congo Mobimba. Jean-Jacques Yemba, le journaliste du peuple, ensemble na équipe Mobimba Info RDC tokitara sur terrain pona ko lokota pe koza nyonso information pe ko pesa mon opinion. Oyo bazali ba boné nyonso ya Info RDC. Actualité na République démocratique du Congo ezali dominé na sujet ya RAM, registre ya appareil mobile oyo ebele ya population kinoise bazali victime ya ba crédit na bango ezali koliama. Yango wana équipe ya Info RDC Mobimba ekiteki na ministère ya PT antique oyo ekuma makala mwana mboka Augustin Kibasa Maliba. Bolanda conférence de presse Mobimbaya, Jeff Caleb Obiang Oyazali Bongo, ambassadeur RAM. Ambassadeur RAM a éclairci opinion sur Onyoso Ezali Kolobama, na sujet RAM. Bolanda Diema Oja, pesa ba image. Alors, sans plus tarder, nous allons débuter notre point de presse. Alors, il y aura deux étapes. La première consiste à l'audition. C'est que l'équipe de communication du RAM a préparé pour nous. Et la deuxième, donc la première étape, c'est la communication de l'équipe de communication du RAM. Et la deuxième étape, c'est la série de questions-réponses. Mais en tout cas, vous allez nous excuser puisqu'on aura besoin que de quatre questions. De l'équipe de communication du registre des appareils mobiles, RAM sur la suspension du système de facturation 2.1. Mesdames et messieurs de la presse, depuis le week-end dernier, l'équipe de communication du registre des appareils mobiles RAM a constaté la diffusion sur les réseaux sociaux des messages contradictoires et erronés au sujet de la suspension du système de facturation 2.1 ou bien Billing to One pour ceux qui parlent l'anglais, implémenté il y a quelques jours pour le paiement des frais RAM en République démocratique du Congo. Dans les soucis de fixer l'opinion et mettre fin à la confusion, l'équipe de communication du RAM tient à préciser ce qui suit. Le RAM reste pleinement en fonction en République démocratique du Congo. Les projets dérivés du RAM continuent à être développés comme les Wi-Fi à l'Université de Kinshasa et sur d'autres sites dans les semaines et mois qui viennent. L'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, l'AFPTC en sigle, a ordonné aux opérateurs télécoms de lever temporairement les blocages des activations des forfaits pour les utilisateurs en défaut des paiements des frais RAM. 4. Le ministère des PTNTIC, l'AFPTC et les autres autorités compétentes travaillent d'arrache-pied pour trouver un dispositif supplémentaire pouvant faciliter le paiement des frais RAM pour les utilisateurs. 5. L'AFPTC procède à des mises à jour mensuelles sur l'infrastructure du RAM pour que le système soit en tout temps à la pointe de la technologie. Le Billing to One n'est qu'une intégration parmi de nombreuses autres déjà effectuées cette année. 6. L'équipe de communication du RAM demande aux utilisateurs de ne pas céder à la manipulation ni prêter attention aux messages d'intoxication émanant de la part des ennemis du développement du pays. Nous vous remercions. Bandeko Bapanzi Sambia Mboka Congo, Ruta Weekend et l'équipe, équipe de communication RAM, et Zwaki ba information, to ba salaki constat, comme on a été dans les réseaux sociaux, to pe ba media ya Mboka Nabiso, et Zalaki na moi Kokoso. Hein, mauvaise interprétation, moi confusion et qui concernant suspension, il y a système, il y a facturation 2.1 au Yotobengi Billing 2.1
Oui, ça a été pour ça que ceux qui nous ont dit, dans le monde, service RAM, moyen à passer à l'activation, et ça a été moyen à ce dans il y a MP, Satopé, Orange Mani ou bien Tel Mani, et ça a été. Donc, moi, confusion, et ça a été, et ça a été, et ça a été, et que RAM et Zali suspendu, suspendre RAM, dès qu'il va suspendre paiement à. Et devant ce Yara, Nenayamo, après avoir posé le constat, il y a Likambouana, équipe, il y a communication Yara, et je vois qu'il dit ça, il y a Ben Sabino pour expliquer que nous étions RAM, et Zali annulé dans la République démocratique du Congo, RAM et Zali pour continuer, donc Zali toujours maintenu dans Mbokanabiso, puis il y a Mibane, et c'est lui qui a été le projet Nyonso. Oyo ezali prévu essentiellement grâce ya ba misolo oyo ekouta na service RAM ba projet wana ezali ko continuer donc on a wifi gratuit oyo ba nsaki oyo service ya RAM ministère ya PTNTIC APTC ba nsaki depuis jeudi passé na investi à Kinshasa ezali ko continuer pe na mikolo ezali ko ya ba ko installer le wifi gratuit dans l'espace public, dans le Kintambo magasin, dans l'IPEL, ISTA, gare centrale, ainsi de suite. Il y a mis ça pour essayer de pouvoir être ARPTC, Azali, autorité et régulation, à Zouaki décision. Il y a qu'on suspend momentanément le système pour permettre à l'utilisateur qui est victime de blocage et d'activation de zone la zone de l'activité sans problème. En attendant, va y solution de sous pour le paiement de Michelo Italie, registre de l'appareil mobile RAM. Il y a Mine et Sénil qui va être ministère et FETENTIC, l'autorité de régulation, pour travailler pour mettre en place un autre dispositif pour permettre que moi pour consoler à la télé c'est quelque chose qui va être système moi n'a mis tout en et tout à l'heure qui ma complication par rapport à ma opérateur donc c'est à dire système au bâtir en place n'a pas matériel pour certains opérateurs bazo ça là et ça les couper dans la télé ça les couper ça moi pour consoler na yango parce que décision y a aussi pas na yango comme entraînement. En attendant, pas trouver solution de sous-sous pour le paiement YARAM. RPTC, Azali, pour continuer pour travailler dans le service technique NAE pour la situation et à améliorer, et puis pour faire sa solution dans le MITUNA pour la préoccupation et à l'utilisateur. Pour la consulter ça, l'équipe de communication YARAM, Azali, pour Sénat. L'utilisateur va céder par la global côté aux alliés pour le moment de gauche à droite va soutenir le projet à et pour permettre au gouvernement et à Mokrabiso à Vamisolo pour réaliser le projet ou le programme aux alliés prévu dans le domaine il y a nouvelle technologie de l'information et de la communication notamment au sein de votre numérisation il y a administration pour sa formation, il y a ma gêne dans le domaine où il y a nouvelle technologie, il y a information et communication. Merci. Merci beaucoup. Vous dites deux ou trois petites questions. Je vais d'abord savoir quelle est la motivation d'Iran. Des deux, sur base de quoi vous avez fixé les taux d'imposition pendant qu'il avoisine 1% au Sénégal et gratuit ailleurs. Pour finir, depuis les débuts de l'an, combien avez-vous encaissé? Merci. Deuxième question, ou deuxième personne. Oui, madame. Comme une taxe, d'autres comme une rémunérance, un co ou un service. Essayez de nous éclaircir quant à ces concepts-là. Est-ce que les rames est une taxe, une rémunérance ou un service? Et la deuxième question, je voudrais savoir où va l'argent durable. Parce que la population s'inquiète, c'est plus heureuse que la
question de l'argent du RAM. Le RAM n'est pas repris dans une contracture des taxes payées. Expliquez à la population où va l'argent du RAM. Merci. Vous répondez à ces deux questions. Vous répondez à ces. Jean-Marie Kambwa du journal L'Avenir, il veut savoir quelle est la motivation du RAM. Donc, dans nos différentes interventions, dans plusieurs chaînes de télévision, nous avons eu à expliquer la motivation du RAM. Le RAM permet à l'État congolais de lutter efficacement contre les appareils mobiles contrefaits. Les appareils mobiles contrefaits ont des effets néfastes sur les plans sanitaires. Ils posent également plusieurs problèmes en ce qui concerne la qualité du réseau. Il arrive parfois, lorsque vous lancez un appel, vous n'arrivez pas à bien communiquer avec la personne que vous avez contactée. Et dans beaucoup de cas, ces désagréments, selon les études qui ont été menées, on a constaté que ces problèmes sont liés à l'utilisation des appareils mobiles contrefaits. Deuxièmement, le RAM permet à l'État congolais d'avoir les contrôles dans le secteur des PTNTIC, notamment en ce qui concerne la maîtrise sur le nombre des abonnés de chaque société de télécommunications, parce qu'il y a 20 ans, les sociétés de télécom évoluaient en électron libre. C'est-à-dire, comme nous avons un système déclaratif en ce qui concerne le paiement des impôts dans notre pays, la société X pouvait venir déclarer 5 millions d'abonnés alors qu'elle en a 10 ou 15 millions. Alors, l'État congolais a décidé, après avoir constaté cette situation, a pris la décision de mettre en place le registre des appareils mobiles RAM, qui est une recommandation de l'Union internationale des télécommunications pour lutter contre les appareils mobiles contrefaits et avoir les contrôles dans le secteur des nouvelles technologies, dans le secteur des télécoms, et permettre également aux utilisateurs de protéger leurs données. Dans quel sens? Un utilisateur qui perd son téléphone, dans le passé, perdait toutes ses données. Mais aujourd'hui, grâce au RAM, un utilisateur qui perd son téléphone a la possibilité de saisir le service RAM via son opérateur et arriver à bloquer ses téléphones pour le rendre inutilisable. Donc, il y a plusieurs avantages. Si je me mets à tout expliquer ici, on risque de ne pas terminer. Vous avez posé votre deuxième question de savoir les taux de fixation des frais. Vous avez dit qu'au Sénégal, on payerait 1 dollar, ce qui est faux. Est-ce que j'ai des informations sur ce qui concerne, concernant le paiement de la redevance RAM au Sénégal, ce n'est pas 1 dollar. Et dans aucun pays au monde, le service RAM n'est gratuit. Je vais vous citer l'exemple de la Zambie où on paye 10 dollars. Si vous allez en Tunisie, c'est plus de 10 dollars également. En Turquie, on paye près de 100 dollars. Il y a l'Internet qui existe. Vous pouvez vérifier. Donc, dans aucun pays du monde, le service RAM n'est gratuit. Donc, il est toujours payant. Et je profite de l'occasion pour vous dire que la RDC est l'unique pays, donc le seul pays au monde où la redevance RAM est payée moins de 10 dollars. C'est-à-dire 1 dollar pour les appareils mobiles catégorie 2G, que les Quinois appellent Kikalakasa, et 7 dollars pour les appareils catégorie 3G, 4G. Donc, je crois que vous allez corriger cet aspect. Combien déjà encaissé? C'est la question également, je crois, de Madame Nono de la RTNC. Cette question, il faut la poser au service de l'État qui est habilité à collecter la redevance RAM. Le ministère des PTNTIC n'a pas un compte bancaire ou une caisse ou un service qui est habilité à collecter cet argent. Il faut poser cette question à la DGRAD qui est habilitée à collecter la redevance RAM. Le ministère des PTNTIC s'occupe des aspects politiques, mais tout ce qui concerne les finances, il faut voir les services habilités. Et il y a la RTNC qui pose la question de savoir le RAM service, taxe,
Le RAM est une redevance et les frais qui sont payés par les utilisateurs dans le cadre du RAM, on appelle ça rémunération. Pour bien comprendre, il faut lire le décret signé par le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilunkamba, qui est publié au journal officiel du 1er avril 2020. Si vous lisez ce décret, tout est clair. Donc, on parle bien de la rémunération des services, des droits d'enregistrement des appareils mobiles. C'est un service qui est géré par l'autorité de régulation de la Poste et Télécommunications du Congo. Où va l'argent du RAM? J'ai répondu à la question. L'argent du RAM ne va pas dans les poches du ministre Kibasa. L'argent du RAM ne va pas dans les poches de Jeff Caleb. L'argent du RAM est orienté vers les services habilités qui est la DGRAD. Et je crois que tout est clair à ce niveau. Combien de téléphones mobiles déjà recensés depuis octobre till le mai 2021. C'est un plaisir. Merci. Une dernière question en français. Bonjour, moi c'est Jétou Bapilé, l'Institut. Allumez votre micro. C'est Jétou Bapilé, l'Institut. J'avais juste une préoccupation par rapport à ce qui s'est passé le week-end passé. Il y a eu une information qui débutait sur la toile en disant que le chef d'État avait suspendu, avait supprimé cela et tout le monde était en joie. Je voulais avoir juste des précisions de comment ça va se passer. Et ce système de RAM, comment il travaille avec la population? Parce que la population ne maîtrise pas jusque-là ce système-là de RAM. Parce que beaucoup de gens viennent m'écrire de demander à Jeff Caleb comment est-ce que le ministère de l'État travaille avec les entreprises de communication. Parce que jusque-là, s'il y a encore des problèmes, c'est que les entreprises de télécommunications n'ont pas le nombre exact des abonnés. Or, c'est un travail que le ministère peut indiquer de travailler en collaboration avec les services des entreprises de télécommunications. Merci beaucoup, madame. Monsieur l'ambassadeur, vous répondez à ces deux questions avant d'étirer les rideaux de ces points de presse. Ok, bon, tout le monde est allé, il y a des coups, il y a KNB. À Tuni, on a suspendu le système billing to one, parce que nous n'avons continuer à avoir crédit. Donc, c'est une bonne question qui me permet d'expliquer encore une fois de plus. Suspension, il y a système, il y a billing to one, et nous avons dit que paiement, il y a service RAM. Paiement, il y a service RAM, et pour continuer dans le système, il y a Kala. Car ce système, il y a pour contraindre l'utilisateur, il faut attendre un balongoli. Paiement et RAM est au salaire par mois. Donc, ce que vous allez nature moya mouké, vous avez un téléphone 2G, vous allez 1 dollar par an. Vous allez foutre un 6 tranches, soit 0,17 dollars ou bien 17 unités par mois. Le RAM est là qui lancé dans le mois de septembre et l'année passée. Tant que vous avez mis dans le mois de mars, Moutounio soit dans un téléphone avec qui censé qu'on a en ordre avec le RAM. Mais on a constaté que Batebele va foutre qui RAM, qui pour contourner paiement RAM, c'est-à-dire pour la force à la paiement RAM, il faut recharger le crédit dans le compte. Parce que Batebele, qui pour contourner le système, parce que nous sommes directement minute, topé forfait, dans cela il y a MPSA ou bien Orange Money et consort. C'est ainsi que le gouvernement avait pris la décision. Il y a pour installer le système billing to one. Système one est allé fonctionner. Ce qui est allé dans le RAM, sous compte de la RAM est coté en négatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, mesure, il y a restriction pour activer le forfait, pour consommer le crédit. Dans il y a MPSA ou bien Orange Money. Pour nous, il y a obligé, il faut foutre service à RAM. Donc, il faut flasher le crédit dans le téléphone. Paiement, au sali paiement, il y a frais, il y a RAM, si ma mesure est longue. Mais on a constaté un problème, je l'ai dit tout à l'heure, que
ba matériel ou ba société mosusu ya télécom bazali ko sale la ezali ko se marier te na système oyo nouvelle technologie oyo RPTC a tué en place pour un service yaram ou ezali ko sala que moto azali na nyongo yaram azui mesure wana ya restriction to blocage ya activation si ma afuti mes mesures wana izolongate nde to conseiller ba to bazume nasi na futi mbomo na bino ya ram ndenge nini nazo naza toujours bloqué nazo ko kako activité ezala ki problème technique na niveau ya ba société ya télécommunication ba meki ko bunda pona ba bongisa e simbité nde na yango na conseil des ministres ba soulever ki question wana si ma mo konzi amboka asenga ki na directeur ya cabinet na ye a komela et service aux alliés habilités à RPTC pour n'a pas levé mesure wana mon konzi amboka atikala jamais ko senga suspension ya rab a senga ki suspension ya système wana auto bengi billing to wana ou ezala ki ko bloquer ba activation ya ba utilisateur au bazali insolvable to au yo bazali en ordre te avec le service rab ça dit to zongeli système ya kala mais système wana ezali na mwa kokoso ndenge na uti koloba na kokoso na ndenge nini. C'est-à-dire, moto akoki ko contourner yango. Nde yango na lobby awa, na minito to koloba, les autorités compétentes, bazali ko étudier dispositif mususu to système mususu oya oyo, il faut ba mettre en place pour na moto nyonso bazali ko sale la téléphone afuta rémunération to pe redevance ya RAM. Moto na yo mususu combien de téléphones déjà recensé, encore une fois, selon les dernières données, on est à près de 38 millions yaba utilisateurs, yaba téléphone ou ezali na mbo kanabiso. Na mikolo outi koleka ezali na service moko ou e beta ki ba calcul ba sala ki communiquer na bango pona koloba ke RPTC to l'état congolais a si azui autant ba azui $7 fois 38 millions. Donc, ma donnée wana isala qui correcte puisque na 38 millions yaba abonné, moutounyon sauté à sali na téléphone ya 3G, 4G pour la profouta $7. Na 38 millions wana isali na ba oyo basali ko sa y ba téléphone ya catégorie 2G ou basali ko fouta $1 par an. Na ba msusu basali ko sa y la téléphone 3G, 4G ou basali ko fouta $7. Donc, nous sommes à près de 38 millions yaba utilisateurs selon ba donnée. Comment le ministre travaille avec les télécoms? Je profite aussi pour répondre à la question de notre conseiller Jetou. Le chef de l'État n'a jamais demandé la suspension du RAM. Le chef de l'État avait plutôt demandé, à travers son directeur de cabinet, demandé à la RPTC de suspendre le système de blocage des activations pour les utilisateurs insolvables. C'est ce qui a été fait. Donc, ce système-là a été momentanément suspendu et le travail continue pour trouver un autre mécanisme. Le ministère des PTNTIC enregistre toutes les doléances, les réclamations des utilisateurs et reçoit également les avis ou l'avis de la RPTC, par exemple, s'il faut sanctionner la société X ou Y. Donc, il y a un travail qui s'est fait il n'y a pas longtemps. Vous avez suivi, vous avez lu à travers les médias qu'il y avait une société X qui a été sanctionnée par le ministère des PTNTIC. Donc, il y a un travail qui s'est fait. Le ministre enregistre les doléances chaque jour et travaille en collaboration avec la RPTC pour mettre de l'ordre dans le secteur. Et je vous assure que le service RAM, c'est une solution incontournable pour l'État congolais afin de contrôler les sociétés de télécommunications. Je vous ai dit qu'il y a 20 ans, l'État congolais n'était pas au courant ou n'avait pas des informations fiables concernant ce qui se passe dans le domaine des télécommunications. Il y a un aspect que j'ai oublié. Grâce au RAM, on a découvert plus de 2 400 000 cibles ou 2 400 000 utilisateurs qui sont en itinérance, c'est-à-dire qui sont en roaming. Mais dans le passé, il était difficile pour l'État congolais de savoir combien d'utilisateurs, combien d'utilisateurs
qui ont des cimes de, d'autres pays ou des réseaux étrangers vivent en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, grâce au registre des appareils mobiles, l'État congolais peut avoir toutes les informations concernant cette situation. Merci. Merci beaucoup. Si vous allez qui est belé, vous êtes collant à Bongonde. Point de presse, Oyo Bandeko et ministère, il y a pété un tic à travers ambassadeur Ram, Jeff Caleb, Obiang, à répondre à ma question. Il y a un professionnel de médias na Sige à Ram, Oyo Zalaki Sige, Moko, Oyo Zalaki Ko, l'Obama Awana, ville province à Kinshasa, pourquoi pas République démocratique du Congo, Mobimba. Boyebi bien que registre un appareil mobile, Ram et Zali, parmi les innovations, Oyo ministère, il y a pété un tic et Memi, pour nous permettre d'enregistrer l'appareil téléphonique Nyonso Oyo, qui nous a topé les Congolais, ma question pour le ministère de Pétain Antique, qui a collaboré en ambiance, dans la société de télécommunication Oyo, Evraka, Awa, dans la ville province de Kinshasa, pourquoi pas dans la République démocratique du Congo, Mobima. Nous savons que de partout, nous avons des informations et solo et sûres. Et belé ba yebi ke soka beti info RDC na chaîne YouTube na ye Mobimba et ko bimile ya kozo information nyoso ezali ko leka na awa en temps réel tikala pe sambote na balandi nyoso ya info RDC depuis Paris na pe simbote na Blaise Ifaso mbote na Nelinjeka balubi forme d'impact depuis Belgique na pe simbote na Balbine Lutete ozali ko landa biso depuis ville province à Kinshasa depuis quelque part na pesi pe mbote lisusu na famille Lokani Mobimba na pesi mbote na babone nyoso ya Info RDC o bazali na Botswana na Allemagne na Belgique de partout awa information ezala ka solo information ezala ka si pe information ezala ka à temps réel bozala connecté branché bo s'abonner massivement à Info RDC pour vos informations et solo, bien sûr. Ram, Ezali, P, Ekotikalara, Kozala. Ciao.